à tous les petits amis. J'espère que vous allez très bien dans votre vie. En fait j'en ai rien à foutre. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je voulais vous parler de trois conneries à ne jamais faire quand on est un jeune fils de pute. Alors déjà le premier truc à faire, enfin le premier truc à ne jamais faire surtout, c'est de ne jamais fumer. Et oui parce que je sais que la majorité des gens qui me regardent, oh vous êtes des jeunes cons. Vous êtes jeunes et je sais très bien que devant les collèges, lycées, il y a des gamins qui fument. Je trouve ça totalement abusé qu'à 12-13 ans il y a des... Enfin c'est cool de fumer aussi jeune. Comme ça, à 25 ans, t'auras un cancer et tu crèveras. Mais bande de gros fils de pute, dites non à la clope, sa mère la pute. Moi, ça m'énerve. Moi, je vois des gamins qui fument et qui sont en train de se tuer la santé. Et personne dit rien. Bordel de merde. Pourquoi y a pas des lois pour contrer ça? Et les pluralistes qui vendent des trucs, moi, ça me casse. Donc ne fumez pas, c'est pas bien. Parce que déjà, vous allez gagner un salaire de merde quand vous commencerez à travailler. Vous aurez déjà une grosse partie de votre salaire qui partira dans la clope si vous commencez à fumer aussi jeune. Ensuite, voilà, si vous voulez aussi vivre un petit peu plus longtemps que 25-30 ans, ne fumez pas. Putain de merde, on le dit pas assez. Franchement, les gamins qui fument, vous êtes pas majeur, vous fumez. Allez bien tous vous faire enculer, vous me faites pitié. Et si vous fumez, vous êtes même pas majeur, désabonnez-vous. Je veux pas de vous sur la chaîne, vous êtes des gros cons. Et oui, aussi, deuxième truc qui va aussi avec la cigarette, c'est la putain de drogue, la vie de ma mère. Vous n'avez pas besoin de ça pour être quelqu'un de bien. Pour être heureux, vous n'avez pas besoin de merde comme ça, bordel de putain d'enculé. Ça paraît tellement logique, mais il y a tellement peu de prévention sur internet. La vie de ma mère, putain d'enculé de monde de merde. Ne consommez pas de substances illicites. Et je parle bien évidemment de toutes les putains de drogues, bande de bâtards. Et en fait, ça va vous faire devenir un zombie. Déjà que vous êtes des grosses merdes. Alors si en plus, vous commencez à prendre de la drogue, ça va pas aller quoi. Enfin, faut pas faire ça, putain. Enculé. Et pour finir, bien évidemment, la vie est un apprentissage permanent. Les gens apprennent tous les jours. Et un dicton que je ne répète pas assez en ce moment. Il ne faut jamais arrêter d'apprendre, quel que soit ce que vous faites. Et soyez gentils, c'était Pollock. Et tous vont enculer. J'ai tapé.